excusez-moi, je peux vous aider? Je veux voir Mustapha Nalkali. Ah, il n'est pas ici, il est dans le parc à caravane là-bas à gauche. Distance, mec, je veux le voir. Allez-vous-en d'ici. Tu as reçu mon message? Eric, ne fais pas ça. Je vais te donner une bonne leçon, mec. Je te jure que si tu t'approches encore de ma femme... Qu'est-ce que tu vas faire? Arrête. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais te tuer. Il a dit qu'il allait le tuer. Il l'a menacé, vous êtes tous témoins. Il a dit qu'il allait le tuer. Arrête avec ça. Si tu cherches encore des ennuis à ma femme, je te tue. Monte dans la voiture. Tu nous auras pas, Mustapha. Tu peux rien contre nous. Monte dans la voiture! C'est ma femme, vous m'entendez? Vous m'avez entendu, monsieur Yesaran? Monsieur Tepsi? Vous ne pouvez pas me faire de mal! Vous ne salirez pas le nom de ma femme avec des prostituées! Votre scandale ne la salira pas! Fatma Ghoul est pure, vous m'avez entendu? Monte! Allez, rentrez tous! Vous pensez que votre scandale va la salir? Kerim, c'est quoi toute cette folie? Tu m'avais promis de garder ton sang-froid. Mais je n'ai rien fait, j'ai simplement dit ce qui devait être dit, c'est tout. Mais tu ne m'écoutes pas, enfin! Il n'y avait aucun témoin quand ils sont venus te voir, pas un seul! Il y a beaucoup d'hommes qui viennent de t'entendre dire que tu allais le tuer, c'est n'importe quoi! Ils penseront juste que j'avais peur. Ça n'a aucune importance, ce qu'ils pensent. Ils ne me font pas peur. Ah, ça, c'est génial! Écoute-moi bien. Si cet homme revient voir Fatma Ghoul, je te jure sur ma vie que je vais le tuer. Ils ne feront plus jamais de mal à Fatma Ghoul. Et attache ta ceinture.